السالون البحري 58 في باريس. الصناعات الكهربائية الموفرة للطاقة احتلت جناحاً خاصاً. ثلاثون صنفاً من الأعمال تلاقت في هذا التجمع الكبير للصناعات البحرية. شركات فرنسية وأوروبية تتنافس على الابتكار في مجال الصناعات البحرية. Le salon, ça reste le grand rendez-vous des plaisanciers, de ceux qui naviguent tout au long de l'année. Hein. Il n'a pas perdu son âme. Pour l'industrie nautique française, le salon nautique, c'est le grand rendez-vous. Ici, il y a 850 exposants, ça représente à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le marché français. Mais c'est il y a un tiers des sociétés qui distribuent des produits français et deux tiers qui distribuent des produits étrangers. Donc on a vraiment l'offre des loisirs nautiques dans son sens le plus large du terme. Et on a des bateaux par exemple qui sont en libre visite. Alors on a des bateaux plutôt type sport, plutôt croisière, des gros, des petits bateaux. Beaucoup de choses à découvrir. Et puis c'est un lieu d'expérience, on a une vague de surf, une plage où on peut faire du beach volley, du beach handball, du beach tennis, beaucoup de choses. On y vient chaque année, il y a des petites choses qu'on n'a pas vues l'année d'avant et qu'on regarde, on reste toute la journée à visiter cet endroit. Eh bien, ma vie, non, ça ne présente pas d'intérêt, mais pour la curiosité de voir les bateaux, bien sûr, et de rêver surtout, de rêver. Mais on a vu des choses extraordinaires, avec des bateaux à moteur électrique, par exemple. Ça, c'est une chose que je n'avais pas imaginée. Moi, je préfère les bateaux à moteur. Je préfère la vitesse, tout ça. Je préfère avoir un engin qui est capable de me procurer des sensations. C'est une année particulièrement spéciale pour nous, Jeannot, puisque nous fêtons cette année notre 60e anniversaire. Et pour marquer cet anniversaire, nous avons lancé la 8e génération de Sun Odyssey. Le Sun Odyssey 490 se distingue sur trois points majeurs. Le premier, c'est le travail qui a été fait sur la carène, la forme de coque. Et le troisième point, c'était à l'intérieur, d'avoir une approche neuve, nouvelle, qui nous a apporté un regard totalement nouveau sur la manière de concevoir l'intérieur d'un bateau. Aujourd'hui, le bateau électrique est encore petit en taille, représente environ 1% du marché. Nous pensons qu'en 2025, le bateau électrique représentera entre 25 et 50% du marché. On est fiers aujourd'hui d'avoir plus de 4000 bateaux en opération en France, qui vont depuis l'engin de plage, le petit bateau de promenade pour 4 à 10 personnes, mais aussi les navettes de transport de passagers, jusqu'à 200 personnes. On est partenaire dans l'électricité, on défend la même cause, donc on est venu sur le salon puisqu'on était exactement ce qu'il leur fallait. On était le prototype même du bateau 100% électrique. C'est une voile de la Coupe de l'América, tout en carbone. Ça peut s'incliner, pourquoi? C'est pour prendre des ris, tout simplement. Quand il y a trop de vent, ça permet de réduire la voilure. Vous pouvez faire pivoter pour réduire la voilure.
bien ? Bah, écoute, très très bien, très content d'être là. EcoCar. Ouais, c'est un véhicule, si tu veux, un trimaran qu'on a développé en 2013. C'est un prototype là qu'on est en train d'industrialiser en rotomoulage avec une autonomie de 2 heures pour le domaine de la location. C'est une batterie qui fait 48 volts et qui a 90 ampères-heure d'autonomie. Donc qui est capable de pousser ce bateau-là pendant 2 heures à une vitesse de 28 km/h. C'est le nouveau Delphia 1200 Bluescape qui est sorti au mois de septembre 2017 avec une première présentation à Cannes. Donc c'est la grosse nouveauté du chantier Delphia qui a déjà une gamme de trawlers de 8 à 13,50 m. Le bateau est équipé de panneaux solaires qui permettent d'absorber toute la consommation électrique courante. Et après, on est équipé aussi d'un groupe électrogène pour faire fonctionner tout ce qui est climatisation et désalinisateur. On est en version standard sur 2 cabines, 2 salles de bain, et on peut avoir une version 3 cabines avec 2 salles d'eau toujours. C'est un bateau qui est prévu pour pouvoir naviguer seul, sans difficulté. On a des propulseurs à l'avant, à l'arrière, des télécommandes sans fil qui permettent de contrôler ces propulseurs, donc on peut naviguer seul sans difficulté. On envoie une impulsion de quelques secondes à chaque fois que la vague arrive. Donc là, on voit une vague qui est en train d'arriver, une impulsion. La vague repart contre le mur de l'autre côté du bassin et rebondit sans perdre d'énergie. Ça, c'est vraiment le concept novateur de l'Infinity Wave. Ben, la vague est assez lente et douce. Au moins, ça permet de ne pas brusquer les petits qui commencent. Et les grands permettent de légèrement manœuvrer. On est capable de faire des petits bassins écoles comme ceci pour par exemple une école de surf et apprendre aux enfants en toute sécurité à faire des take-offs et des bassins de 300, 400, 500 mètres de long pour faire vraiment des très très grosses vagues. C'est une belle technologie, c'est des évolutions techniques. C'est la légèreté, c'est des accessoires, c'est un grand marché. Bienvenue à ACAST TV. I'd like to welcome ACAST TV. Welcome ACAST TV. في دوري الشباب لكرة القدم تحت 19 عاما الوكرة يواجه الدحيل تأتيكم مباشرة على قنوات الكأس الليلة 26 دقيقة بتوقيت الدوحة. نشرة تواصل فضاء جديد لاكتشاف أبرز الأحداث الرياضية ومتابعة لمختلف منصات التواصل الاجتماعي. تواصل يأتيكم على قنوات الكأس يوميا
الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة. Donc oui, bonjour, on se retrouve ici sur Bibliothèque Nationale de France, un matin d'hiver bien frais, pour la 8e édition du Nautique Sup Paris Crossing, plus grosse compétition de stand-up paddle au monde, avec 700 participants, qui ont été tirés au sort parmi 1345 demandes, donc c'est pour dire que l'événement est important. Les gens du Guinness sont là, il y a des témoins qui sont là pour enregistrer le nombre de participants à cette course, qui est la plus grosse du monde, puisque il y aura entre 650 et 700 personnes au départ tout à l'heure, là, dans une vingtaine de minutes. C'est une pratique nautique, c'est une façon de communiquer pour faire parler du nautique. Il n'y a pas un autre événement de stand-up paddle dans le monde sur lequel il y a 700 compétiteurs sur la ligne de départ. Moi, je le fais pas du tout pour le temps, là. Je fais juste pour profiter. Donc je ne vais pas trop regarder le chrono. I come from Switzerland, and it's for me experience to make this year. Mais c'est pour le fun, regarde, on a l'ambiance, on va voir la tour Eiffel, on n'a jamais le droit de naviguer sur la Seine, donc c'est que du bonheur. On a la chance d'avoir la Seine, donc on s'est dit, on va la traverser de part en part. Le matin, au lever du jour, on va passer devant Notre-Dame, au pied de la tour Eiffel, le Grand Palais, enfin une ville fabuleuse à découvrir par la Seine. C'est un beau salon, c'est un très très beau salon, il y a énormément d'exposants, beaucoup de choses à voir, donc c'est très intéressant. Oui, ça m'impressionne car à chaque fois il y a des nouvelles innovations, ça ne s'arrête jamais, c'est tout le temps, chaque année il y a des nouvelles innovations qui sont présentes ici. C'est le bateau construit par Eric Tabarly pour aller damner ces fichus anglais qui gagnent toutes les courses de la planète. Et Eric Tabarly, quand il a mis son bateau à l'eau en 67, il a gagné les 7 courses auxquelles il a participé, que ce soit les courses du Rorke, donc autour de l'Angleterre, ou les courses en Nouvelle-Zélande, Sydney Hobart. Voilà. Donc on a, avec Eric et Penduc 3, on a mis à mal l'hégémonie anglaise sur les mers du monde. Nous sommes en bord le Prestige 520, qui est notre nouveauté de l'année. C'est un bateau clé pour le succès de Prestige et un bateau aussi très important pour le marché français. Parce que c'est vraiment le plus petit taille où on peut s'offrir beaucoup de confort à bord et la plus grande taille où on est vraiment très à l'aise à l'utiliser à deux personnes. Le bateau englobe aussi l'ensemble du ADN de la gamme Prestige, qui est d'avoir la cuisine arrière, une vue à 360 degrés et une motorisation en pod qui permet toutes les manœuvres de se faire par joystick. Donc dans ce bateau, on offre 3 cabines de salle d'eau avec une entrée indépendante pour le propriétaire et sa cabine. Ce bateau, en termes de prix de base, il est dans les alentours de 650 000 euros. The consumer shifted in North America to this type of boating. And what they really like about it is, number one, the ease of maintenance,
the space, the luxuriousness of it, and the ride. It rides very, very good in rough water. I think what draws people to this boat more than anything is the quality and comfort. So many of the boats made today are refined, so they're restricted, so people are close to each other. This particular boat, you can stretch out, you can relax, you can lean back. It's got great storage. We use plastic underneath, so it's very easy to maintain. It's very comfortable. There's great positions to lay down or sit straight up. Our flooring is made of what we call a seagrass material, and this has a 10-year warranty, very easy to clean. We have 107 different models, and they can be bought anywhere from 39,000 euros all the way up to 200,000 euros. It really depends on what the customer wants. This is the third generation of boats that the Beneteau and the Class Figaro is developing together. It's a prototype of the Figaro 3, and this is the very first boat with a one design, which includes the foil. This is a pure racing boat, and as a pure racing boat, they go only for a pure empty boat, because every kilo we save is performance. We open up a new factory, and we implemented the construction of the Figaro 3, and the spirit of that factory, it's very dedicated to high performance. This is an incredible innovation because it makes the boat 15% faster compared to to the previous generation. Scarf a toujours fait des bateaux très classiques et il a voulu aujourd'hui rentrer dans le marché du fishing de luxe avec un bateau très agréable. C'est maintenant la nouveauté et la tendance du marché. Alors ce bateau fait 9,30 m. Il est équipé ici en exposition avec 2x350 chevaux Verado. Le prix pour ce modèle, comme vous le voyez exposé là, est de 280 000 euros hors TVA. Paris draws a client from everywhere in the world. They fly in here for the show. It's one of the biggest shows in Europe. Bonsoir, bienvenue à Alcaz TV. Welcome to the Paris Boat Show, everybody from Alcaz TV. Bienvenue à Alcaz TV. Bienvenue à Alcaz TV. Je pense que le nautique est en train de prendre un virage. Il est en train de prendre un virage parce qu'aujourd'hui, on a clairement décidé de parler à l'ensemble de la population, que ce soit les pratiquants ou les non-pratiquants. L'activité nautique, ce n'est pas que le bateau. C'est un des messages qu'on voulait faire passer aux nouveaux plaisanciers. Là, comme tous les ans, nous, on attend nos 200 000 visiteurs. Hein, bon an, mal an, on est légèrement au-dessus de 200 000. On espère bien cette année qu'on va attendre ce point.
Alors l'année dernière, nous exposions le CNB 76, le grand frère, bateau résolument à équipage. Cette année, c'est le 66, bateau plus petit, à vocation familiale, très simple à manœuvrer. Juste deux personnes averties manœuvrent le bateau sans aucun problème grâce à beaucoup de systèmes d'assistance électrique et hydraulique. Alors, au niveau de l'intérieur du bateau, donc, il y a quatre cabines, trois cabines invitées et une cabine propriétaire à l'avant. Et le but, quand on a dessiné ce bateau, c'est d'avoir un intérieur le plus ouvert possible. Donc, c'est un bateau vraiment où la lumière rentre très facilement. On a l'impression d'être comme dans un catamaran. The idea behind the project was to take Peugeot's interior experience innovation, which is the guy cockpit, small steering wheel, a touch screen, and a display counter above the steering wheel, and to blend it with Beneteau's latest innovation, which is the ship control system, and to create or to imagine together the future experience of piloting a boat. These seats, which are very similar from a car seat, but we also mix it together with the wooden deck, which was built in the same factory from Beneteau. So there are elements of both worlds. Donc c'est un bateau qui a été spécialement conçu pour la pratique des sports nautiques, à savoir wake surf, wakeboard et ski nautique, puisque ce bateau est équipé de deux ballasts qui permettent de le lester suffisamment pour créer une vague naturelle à l'arrière du bateau pour la pratique du surf. Donc il y a deux ballasts qui font 700 litres, il faut 5 minutes pour remplir. Donc on peut choisir de remplir le ballast bâbord ou le ballast tribord en fonction de la pratique régulière ou goofy du wake surfer. Il va s'adresser aux gens qui cherchent la pratique de surf, de wake surf et de ski nautique, aux écoles de surf, aux boîtes de location, donc une clientèle assez large. Donc ce bateau-ci est proposé à 55 000 euros, tout équipé avec une tour de wake, la barre de son, les ballasts. Bateau très tonique quand même, très vivant, très joueur. Alors on le présente à Paris parce que c'est vrai qu'on est un chantier français, Paris est quand même un salon majeur en Europe. C'est un des boats avec quand même la possibilité de se muter en week-ender, si je peux dire. On a deux petits couchages à l'avant, ça n'en fait pas un bateau de croisière, mais ça permet de garder un mouillage, d'avoir pas forcément une nuit extraordinaire, mais un réveil sympathique. Donc avec 20% de taxes et des voiles, on se situe entre 135 000 et 155 000 euros, grosso modo. Here we are showing for the first time the new Parker Monaco. Most boats of this size are powered by either stern drive or shaft. This one is outboard, so that makes it a big difference. On this configuration, we have two cabins. We have the owner's cabin in the bow area. Then we have a second, pretty large cabin underneath here, the guest's cabin. It's just below 260,000 euros. Ça reste un rendez-vous incontournable. Je crois qu'il faut vraiment venir à Paris début décembre, profiter du salon pour voir cette capitale merveilleuse.